Ouais, moi c'est Bat Patuitas de la vérité. J'espère que vous êtes tranquille. Moi je suis tranquille, alhamdoulilah, voilà. Donc, tout ce qui est aphrodisiaque pour le sexe, c'est tout du naturel. Il n'y a pas besoin de booster pour le sexe, il n'y a pas besoin de ça. C'est à l'époque, c'est bon pour les testicules, c'est bon pour le cœur aussi, c'est le cas. Donc, je vais vous dire, c'est bon pour les lidos. Donc j'ai tout noté, les avocats, les amandes, pistaches, cacahuètes, noix de cajou, fruits secs, c'est bon pour la base, l'échec du sexe. C'est l'aphrodisiaque naturel, 100% naturel, vous pouvez en prendre, manger des cacahuètes. D'ailleurs, je vais défoncer un paquet de cacahuètes, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout. Et permet... Entre parenthèses, un petit chouïa, c'est bon pour les hormones. Hachek. Ça, personne ne connaît que les cacahuètes, les noix de cajou, tout ce qui est salé, c'est bon quand même pour le sexe. Ouais, parce que j'ai consulté mon médecin, on en a parlé un peu, parce que je suis de la vérité, Batman de la vérité et te cache. J'ai rien à cacher. Donc, il m'a dit, c'est tout est bon. Les amandes, après t'as les câpres, t'as les huîtres aussi. C'est bon aussi. Pour la pi. Vous allez faire ça avec votre copine. Vous allez tirer la langue. Biloute, biloute. Quand je dis biloute, petite biloute, ça veut dire en ch'ti kékette. Donc sur ce, je vais vous laisser. Si vous aimez bien, I wanna two biceps, big arm, big arm.